Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver sur ce jeudi soir ensemble. C'est effectivement plutôt sympathique de se retrouver jeudi soir à 19h pour parler de biodiversité. C'est les discussions. Les discussions, c'est un format. Peut-être qu'il y en a qui ont l'habitude maintenant, mais c'est un format où on se retrouve avec une spécialiste et on discute de sujets divers et variés. Donc ce soir, ça sera les origines de la biodiversité. Juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de présenter notre intervenant de ce soir, je voulais remercier notre partenaire Science en Live, qui est une plateforme où vous retrouvez tout un tas d'événements scientifiques en live sur Twitch, sur YouTube, sur tout un tas de plateformes, hein. Si vous voulez vous faire une semaine de live scientifique sur des sujets comme de la physique, de la chimie, de la biologie, etc., c'est tout à fait possible. Donc on les remercie de partager nos événements et donc de nous donner un peu de visibilité sur ce type d'événement, vu qu'on n'est pas des experts en live, hein, ça c'est clair. On a démarré ça donc au tout début, au mois d'avril, au tout début du confinement, et puisque vous aimez ça et que vous appréciez, on continue, et on va continuer donc l'année prochaine également à en faire 2-3 par semaine, voilà, sous ce type de format. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez être tenu au courant un peu de tous les événements que nous organisons, et on en organise pas mal, tout simplement, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, si vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous êtes tenu au courant de toutes les discussions qu'on organise chaque semaine. Vous savez qu'est-ce qu'on organise. Vous pouvez proposer aussi des sujets, parce que nous, on est preneurs aussi de sujets, des intervenants, pourquoi pas. Si vous avez envie vous êtes scientifique, vous êtes chercheur et vous voulez intervenir sur un sujet, on est preneurs aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coscience et à nous contacter pour ça. Si vous avez apprécié la discussion de ce soir, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, parce que nous, ça nous conforte dans l'idée de continuer ce type de format. Enfin, la dernière chose, c'est que la semaine prochaine, j'ai déjà le programme et je peux vous le dire, donc je vais vous l'indiquer. La semaine prochaine, on va parler de. Donc, il va y avoir deux événements, deux lives. Premier, le mercredi soir à 19h. On va commenter un livre. On va commenter un livre de Ruwenn Ogien. C'était un philosophe éthicien. Il a écrit un petit livre très sympathique qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, un titre assez long mais sur l'éthique, sur notre rapport un peu aux uns et aux autres. Donc un livre très intéressant qu'on va commenter avec un philosophe, Florian Olivier, mercredi soir à 19h. Jeudi soir à 19h, on ne parlera pas de biodiversité cette fois-ci, on va parler de la formation des étoiles. On va parler d'une étoile, qu'est-ce que c'est une étoile, comment ça marche, quels sont les mécanismes à l'intérieur, les processus chimiques, physiques qui entraînent la création d'une étoile et comment une étoile, tout simplement disparaît aussi, meurt. Donc on sera avec un astrochimiste, un chimiste des étoiles, si on peut dire, Pierre Guéquière, qui travaille en Angleterre sur ce sujet. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez être tenu un peu plus au courant, le petit bouton abonnement. Et donc ce soir, on parle des origines de la biodiversité avec Pierre-André Crochet. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, biologiste de l'évolution, naturaliste. Plus particulièrement, vous travaillez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. C'est bien ça, C'est hein? ça, c'est ça, c'est Voilà. un des deux gros laboratoires d'écologie d'évolution de Montpellier. Très bien. Et donc avec vous, on va parler des origines de la biodiversité, comment se crée une espèce, comment effectivement elles surgissent, ces espèces, sur notre chère planète. Et alors tiens, je vois un premier commentaire qui est destiné pour vous. Je le lis, hein, c'est Paul Lagardère qui dit il faut relire son rapport de stage, paraît-il. Voilà. Bon, voilà, c'est un petit message personnel pour Ouais, Pierre-André. ça attendra 2, 3 semaines.
Alors, je vois qu'il y a plein. Donc, Clément Dubreuc, bah, bonsoir Clément, bonsoir à tous et toutes. Hein, je vois que vous vous connectez. Lindsay Ménard, est-ce qu'il y aura une rediffusion du live sur YouTube? Oui, il y aura une rediffusion du live sur notre chaîne YouTube. De la même manière, hein, tous nos lives sont sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez, voilà, là, vous avez plus d'une dizaine de lives de discussion. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à jeter un coup d'œil. Et effectivement, si vous ne pouvez pas participer ce soir, la discussion sera retransmise, bien sûr, en podcast. Très bien, allez, on va commencer dans le vif du sujet. Et pour parler un peu d'espèces, bah peut-être il faudrait poser déjà des définitions. Pierre-André, pour commencer peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur la définition d'une espèce? Je sais que c'est une définition qui est un peu controversée pour certains groupes, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Une espèce pour un scientifique, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que le plus simple, c'est de repartir de ce que c'est une espèce, pas pour un scientifique, mais pour n'importe qui se balade dans la nature. Et quand on se balade dans la nature et qu'on regarde autour de nous, on voit bien qu'il y a différents types d'oiseaux, différents types d'arbres, de plantes. On a des rouges-gorges, des merles, des mésanges, des pinsons. Et chacun mène sa vie de rouges-gorges, de mésanges, de merles ou de pinsons, avec son champ différent, son alimentation différente, son plumage différent. Et surtout, c'est que Monsieur Merle, il s'accouple avec Madame Merle et Monsieur Pinson avec Madame Pinson. Et ce fait qu'on choisit son partenaire dans son espèce qui permet à différentes espèces de coexister dans les mêmes localités, les mêmes environnements. Parce que s'il n'y avait pas cet appariement au sein des espèces, bah, tous les gènes de tous ces organismes se mélangeraient et on aurait un seul qu'on dit pool génique, c'est-à-dire un seul ensemble de gènes et des organismes tous identiques qui partageaient le même fond génique. C'est parce que il y a ces mécanismes, ce qu'on appelle l'isolement reproducteur, le fait de ne pas s'appareiller avec un pinson quand on est un merle ou avec un moineau quand on est une mésange, que tous ces organismes différents génétiquement peuvent coexister au même endroit. Et du coup, si on part de cette observation, on arrive à la définition de l'espèce, c'est des populations génétiquement différenciées qui sont capables de coexister sans se mélanger. Voilà. Et c'est ça les espèces. C'est de ça que découle le concept biologique de l'espèce qui a été un des plus influents pendant longtemps en biologie de l'évolution, qui était central dans le renouveau, on va dire, dans la théorie moderne, la synthèse moderne de la biologie évolutive. C'est un ensemble de populations isolées reproductivement, donc ils ne se reproduisent pas avec les autres populations et qui sont capables de se reproduire entre elles. Alors, ça marche très bien tant qu'on reste chez des animaux à reproduction sexuée et ça marche très bien tant qu'on se place à un point de l'espace. Et tout ce qui fait la difficulté, en fait, d'avoir un concept d'espèce général qu'on veut appliquer à l'ensemble de la biodiversité, c'est le vouloir inclure des formes de reproduction asexuées. Parce que là, bien sûr, avec des organismes asexués, le concept d'espèce fondée sur l'isolement reproducteur ne marche pas. Et puis, quand on veut commencer à rassembler tous les organismes d'un continent à l'intérieur d'un certain nombre d'espèces. Parce que, du coup, il faut savoir si les mésanges de France et les mésanges du Japon, c'est la même espèce ou pas. Et elles n'ont jamais l'occasion de se croiser, en fait. Donc, notre test empirique de l'isolement reproducteur, il ne marche plus très bien. Et c'est là qu'arrivent toutes les controverses. Et donc les controverses, ce n'est pas tellement sur ce que c'est une espèce, les controverses, c'est plutôt sur comment on fait pour avoir un concept d'espèce opérationnel qui peut s'appliquer à des populations qui vivent dans des environnements différents, des localités différentes ou qui n'ont pas la reproduction sexuée. Et c'est là qu'on arrive à deux grandes familles, on va dire, de concepts qui se distinguent selon l'accent qu'elles mettent sur le processus ou sur le résultat final. Je m'explique. Le concept biologique de l'espèce, il met au centre le processus, quels sont les processus de l'isolement reproducteur, et il postule qu'il faut des processus intrinsèques. C'est-à-dire que si deux populations ne se croisent pas, mais parce qu'elles ne peuvent jamais se rencontrer, elles sont sur des îles différentes, par exemple, ou des bouts différents du continent, ce n'est pas suffisant pour en faire des espèces différentes. On considère que s'il n'y a pas de mécanisme intrinsèque, en gros, dans une expérience de pensée, si on les mettait ensemble, s'ils étaient capables de se reproduire, on les considérerait comme la même espèce. Ça, c'est un peu la philosophie du concept biologique de l'espèce. Et ensuite, on a le concept, toute la famille des concepts phylogénétiques d'espèces ou concepts évolutifs d'espèces,
qui s'intéresse plus au résultat final. C'est-à-dire que toute lignée évolutive, donc ensemble de populations qui partagent une histoire évolutive commune et qui ont une histoire évolutive distincte de celle des autres lignées, et quelle que soit la source de cette distinction, de cette unité, de cette histoire évolutive distincte, on va en faire des espèces différentes. Et même si c'est l'isolement est s'il n'est pas établi qu'il y a un isolement reproducteur intrinsèque, qu'il y a des propriétés propres aux organismes qui leur empêchent de se reproduire. Dans ce concept-là, des populations allopatriques, donc qui occupent des régions différentes et qui auront une histoire évolutive suffisamment longue pour qu'elles accumulent des caractères propres et une histoire évolutive propre, par exemple, dans la généalogie de leurs gènes, on va considérer que c'est des espèces différentes, même si on n'a pas d'indication de leur niveau d'isolement reproducteur. Donc tout le concept, toute la famille des concepts phylogénétiques d'espèces ou concepts évolutifs d'espèces s'intéresse plutôt aux résultats. À partir du moment où on a accumulé des histoires évolutives distinctes, on va appeler ça des espèces différentes. Alors pour le concept biologique de l'espèce, on essaie toujours de savoir quand même s'il y a des propriétés intrinsèques des populations qui font qu'elles ont accumulé suffisamment de différences pour ne plus pouvoir se mélanger en zone de contact. Enfin, ou s'ils étaient ensemble. Et alors, comment on définit une population? Parce que c'est un ensemble d'individus qui partagent un même territoire à un moment donné. Non, il n'y a pas de définition Il n'y a pas simple de la de. Ouais. population. C'est un Ok. concept, on va dire, opérationnel. C'est-à-dire que la population, c'est ce qu'on en fait au moment où on l'étudie. Quand on fait de la Ok. génétique de population, ça peut être des échelles extrêmement fines. Quand on fait de la phylogénie ou de la phylogéographie, ça peut être des ensembles de populations beaucoup plus grands. Une population, souvent, c'est l'ensemble d'individus qu'on étudie, mais qui partagent la capacité, on va dire, d'échanger des gènes quand même. Voilà. D'accord. Mais par contre, l'échelle à laquelle on définit la population, ça dépend. Et donc ça dépend de l'étude scientifique, Absolument. Ouais, C'est un d'accord, ok. concept qui n'est pas vraiment ancré dans des critères objectifs. C'est vraiment plus quelque chose d'opérationnel qu'on utilise en fonction du type d'études et du type de recherche qu'on mène. Et pour un démographe et pour un Ouais. biologiste de l'évolution, ça n'aura pas la même signification. Parce que pendant très longtemps, sur la conception d'espèces, on utilisait on utilise toujours d'ailleurs les critères anatomiques, physiologiques pour décrire une espèce. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la biologie moléculaire qui est arrivée depuis quelques années maintenant et qui a remis un petit peu, qui allait sur le côté des gènes et qui donc a bouleversé. Alors notamment, je pense à la phylogénie des insectes ou voilà, qui a été un peu remodelée par la biologie moléculaire. Justement, ça veut dire qu'à chaque nouvelle découverte ou avancée dans les techniques biologiques, on change un petit peu notre conception, en tout cas, de ces espèces-là, c'est pas totalement figé, en fait. Alors là, alors ça, c'est une remarque très intéressante, mais pour y répondre, il faut bien voir que cette remarque mélange un petit peu deux niveaux deux niveaux tout simplement, ou deux concepts différents. Il y a les critères qui permettent d'identifier les individus ou d'identifier les espèces, il y a le concept de l'espèce. Ça fait depuis Mère, depuis la Révolution, depuis on va dire la synthèse néo-darwinienne, on a complètement abandonné des définitions de l'espèce qu'on disait typologiques, qui sont basées sur des quantités de différences ou sur des caractères. C'est pas du tout dans le concept d'espèce, dans aucun des concepts d'espèce tellement. Il suffit d'avoir, enfin il suffit même pas en fait, l'histoire évolutive, même si elle ne s'accompagne d'aucune différence visible, de caractère diagnostique visible. Le simple fait d'avoir un isolement permet de définir l'espèce dans tous les concepts d'espèce. Ce qui change, par contre, c'est qu'avec plus on a d'outils, plus on a de finesse ou de pouvoir pour identifier les ruptures au flux génique. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait que des outils de morphologie externe, on essayait d'appliquer un concept biologique de l'espèce, mais les inférences qu'on en faisait était basé sur des variations abruptes de morphologie. En gros, il nous fallait deux espèces de morphologie différentes cohabitant au même endroit pour qu'on se rende compte que c'était des espèces différentes. Avec les outils moléculaires, on peut identifier ce qu'on appelle des espèces cryptiques, qu'on ne peut pas identifier par la morphologie externe en les regardant, mais dont les gènes nous disent qu'ils se comportent comme des espèces différentes et qu'ils ne se mélangent pas quand ils se rencontrent. Et on peut aussi
se rendre compte que des variations géographiques, c'est-à-dire que quand on passe d'une région à l'autre, on a des morphologies un petit peu différentes. Parfois, ça peut cacher de la spéciation, c'est-à-dire que les morphologies un peu différentes d'une région à l'autre, en fait, ça correspond à des lignées évolutives très anciennes et très divergentes qu'on va interpréter comme des espèces. Donc, le changement d'outil, il n'a pas entraîné une redéfinition du concept d'espèce, mais il a donné plus de pouvoir pour tester ces concepts d'espèce dans la nature de manière empirique. C'est bien ça qu'il faut voir, en fait. C'est donc ces révolutions technologiques, elles n'ont pas amené des révolutions conceptuelles sur le concept d'espèce. Par contre, elles nous donnent des outils beaucoup plus puissants pour confronter les variations qu'on observe dans la nature à nos concepts d'espèce et réviser la systématique de ces groupes-là. Donc la systématique, c'est l'organisation du vivant dans les catégories qu'on a créées par l'homme, voilà, les espèces, et puis au-dessus les genres, les familles, les ordres, etc. Sachant que l'espèce est la seule catégorie objective, puisque c'est la seule qui correspond à des propriétés intrinsèques du vivant. Les catégories supérieures, c'est Famille, ordre, classe, famille etc. hors classe, Ouais. c'est uniquement quelque chose qu'on utilise pour ordonner le vivant, mais il n'y a aucune définition objective d'un genre, d'une famille ou d'une classe. Alors que Ok, les ok. espèces, c'est la seule catégorie du vivant qui correspond à des propriétés intrinsèques des populations. Vous avez vendu un peu la mèche, Pierre-André, puisque vous avez parlé de spéciation, d'apparition de nouvelles espèces. Est-ce qu'on peut justement revenir sur ça, puisque c'est un peu notre question centrale de Avec la soirée, le cœur, bien sûr. et donc de se dire, bon, bah alors, comment ça marche? Comment, à un moment donné, il y a effectivement l'apparition d'une nouvelle espèce sur un territoire donné? Ben, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est que globalement, ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça prend beaucoup de temps et que l'immense majorité des événements de spéciation dans la nature, alors là, pareil, on va rester sur les espèces sexuées. Parce que les espèces asexuées, on pourra en parler un petit peu après, c'est forcément un peu différent. Mais pour les espèces à reproduction sexuée, ce qui est quand même la grande majorité du vivant, en tout cas des organismes pluricellulaires, mais même du vivant, ça prend du temps et ça demande de l'isolement géographique. OK. C'est-à-dire que pour que des populations accumulent suffisamment de différences pour ne plus se mélanger quand elles se rencontrent, eh bien, il faut qu'elles aient été séparées très longtemps. C'est ce qu'on appelle la spéciation allopatrique. C'est de loin le mode majoritaire de spéciation et donc de création de la diversité dans le vivant. Alors cet isolement géographique, il peut être plus ou moins strict, plus ou moins intense, plus ou moins long. Mais globalement, il faut que la distribution d'une espèce soit fragmentée par l'apparition de barrières géographiques, par C'est des quoi? C'est changements climatiques. une montagne, un Voilà. océan qui apparaît? C'est Alors, ouais. en général, c'est quand même, ça va, vu que les apparitions de montagnes et d'océans, c'est des échelles de temps géologique très longues, c'est Ouais. plus fréquemment des modifications environnementales qui vont fragmenter une aire de distribution et faire qu'une distribution continue devient discontinue et qu'elle est séparée, enfin que les deux bouts de la distribution sont séparés par des zones d'habitat défavorables ou par une espèce compétitrice. Mais il y a aussi effectivement l'ouverture de détroits, les orogenèses. L'ouverture du détroit de Gibraltar, par exemple, a entraîné énormément d'événements de spéciation entre le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord. Les orogenèses autour du bassin méditerranéen, mais bien sûr partout dans le monde, les aridifications, la création des déserts, tout ce qui crée des barrières en fait et qui fragmente la distribution des espèces, sont susceptibles d'entraîner des événements de vicariance, donc d'isolement géographique, qui, s'ils sont suffisamment longs, vont donner lieu à de la spéciation. OK. Et alors, c'est presque automatique, au sens où, si on isole deux populations pendant 5 millions d'années, quel que soit le groupe, il en ressort deux espèces différentes. C'est pratiquement Ouais. automatique, on va dire. Par contre, dans certaines circonstances, la spéciation peut être plus rapide. Alors, pour les groupes que je connais le mieux, les vertébrés, les ordres de grandeur pour obtenir la spéciation, c'est de l'ordre de quelques millions d'années chez les amphibiens ou les reptiles, et plutôt du million d'années, on va dire qu'on est plutôt dans les échelles de 3 à 5 millions d'années pour les amphibiens et les reptiles, de peut-être 1 à 3 millions d'années pour les oiseaux, avec chez les oiseaux quelques exemples assez célèbres, notamment les goélands,
que tout le monde connaît, le goéland argenté qui est en Bretagne, le goéland lecoffé qui est sur nos côtes méditerranéennes, le goéland brun, le goéland marin, toutes ces espèces-là sont très jeunes à l'échelle des oiseaux, mais très jeunes, ça veut dire quelques centaines de milliers d'années. Donc, des espèces jeunes, c'est des espèces qui ont quelques centaines de milliers d'années, et plus typiquement, on est dans quelques millions d'années pour obtenir de la spéciation. Et alors, ça, c'est la règle générale. Après, on a quelques exceptions. Alors, une des exceptions les plus médiatisées, les plus célèbres, c'est les exemples de spéciation Saint-Patrick. Alors, la spéciation Saint-Patrick, c'est un concept qui a été très fertile en littérature, dans la littérature scientifique. Beaucoup, d'un point de vue théorique, avec des modèles qui ont essayé de déterminer sous quelles conditions, donc des modèles vraiment analytiques avec des équations ou alors des simulations en ordinateur, qui ont essayé de déterminer dans quelles conditions on peut obtenir de la spéciation Saint-Patrick. Et quelques études empiriques sur des groupes assez célèbres qui ont argumenté qu'il y avait de la spéciation Saint-Patrick dans la nature, sur notamment des poissons. C'est probablement les exemples les plus célèbres. Il y a quelques oiseaux aussi pour lesquels on se pose la question. Alors, la Mais grande c'est question. une spéciation donc qui est beaucoup plus Alors, rare, hein, beaucoup plus rare que l'allopatrique. elle est évidemment beaucoup plus rare. Et la question qu'on peut même se poser, c'est si elle existe réellement. Alors, je pense que maintenant, il y a un D'accord. consensus pour se dire qu'elle doit être possible et qu'il y a quelques exemples qui semblent difficiles à expliquer autrement que par la spéciation Saint-Patrick. Alors, la spéciation Saint-Patrick, c'est une spéciation qui se fait sans isolement géographique. Je vous mets un petit schéma d'ailleurs Ouais, pour le alors, chat là, je on vous peut mets le regarder, ouais. schéma, voilà, hop. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir différenciation d'une population mère en deux populations filles qui vont arrêter de se mélanger sans qu'il y ait isolement géographique. Alors, on voit bien conceptuellement que c'est très difficile parce que qu'est-ce qui va faire que deux populations qui jusqu'ici se reconnaissaient s'hybrider vont arrêter de le faire. Alors, la spéciation allopatrique, Saint-Patrick, pardon, elle repose généralement sur l'existence de sélection pour l'utilisation de niches écologiques différentes, de ressources différentes, par exemple. Alors, ça peut être des ressources, ça peut être aussi des périodes de reproduction différentes, des choses comme ça, mais on va avoir une sélection pour une spécialisation en fait sur deux types de ressources différentes. Et parce que les individus hybrides, enfin ou mélangés entre les populations spécialisées pour l'une ou l'autre ressource, sont mal adaptés à chacune des deux ressources, ils sont contre-sélectionnés. Et il va y avoir donc des forces évolutives qui vont essayer de minimiser la fréquence de ces individus hybrides. Mais c'est très difficile de faire évoluer quand même de l'isolement reproducteur simplement avec de la sélection divergente dans ces populations. Parce qu'il y a toujours des contacts quand même, même Parce s'ils qu'il y a toujours sont des sur... contacts. Voilà. Alors, les traits. Alors, bien sûr, ça peut arriver s'il y a ce qu'on appelle des traits magiques. Un trait magique, c'est un trait qui à la fois entraîne l'adaptation à une ressource et à la fois bloque l'isolement reproducteur. Au contraire, entraîne l'isolement reproducteur, bloque l'hybridation. On peut imaginer aussi des traits alors, qui sont pas du tout liés à l'adaptation, mais on peut imaginer je veux dire, des escargots. Il y a des escargots dextres et sénestres, ça c'est-à-dire le sens dans lequel s'enroule la coquille, ça peut s'enrouler dans un sens ou dans l'autre. Et si dans une population d'escargots dextres, il y a quelques individus sénestres qui apparaissent, ils peuvent avoir une difficulté à s'accoupler, à se reproduire avec les individus de l'autre orientation de coquille. Et alors ça peut faire de la spéciation presque instantanée en théorie. D'accord. Donc En pratique, juste l'orientation de la coquille, ça peut ça bouleverser là. pourrait, Ça pourrait. exactement. Alors la D'accord. difficulté, c'est que s'il y a un seul individu qui apparaît avec le mauvais sens d'orientation, il n'a pas de partenaire et il disparaît. Oui, c'est ça. C'est ça. Il Donc faut il faut. il y en ait un certain nombre en fait qui Et ça, apparaissent. il faut y gagner un certain nombre, etc. Alors, des exemples aussi assez classiques, c'est de seaux d'hôtes pour des espèces parasites. Imaginez les insectes qui se nourrissent sur une plante hôte et qui s'accouplent sur la même plante hôte. Et bien, il suffit que quelques individus passent d'une plante hôte à une autre plante hôte, et s'ils gardent toujours ce comportement de s'accoupler sur leur plante hôte, ça entraîne presque immédiatement un isolement reproducteur. Ah oui, d'accord. Donc, il y a différentes situations qui peuvent entraîner de la spéciation Saint-Patrick. Maintenant,
C'est extrêmement difficile à démontrer la spéciation sympatrique parce qu'il faut être à peu près sûr que les différences qu'on observe n'ont pas pu naître en allopatrie. Et comme on ne connaît en général pas le passé, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire de ces populations et d'être sûr qu'elles n'ont jamais eu d'allopatrie même très brève dans leur histoire évolutive. Et puis les exemples de spéciation sympatrique qu'on connaît, mais alors c'est presque intrinsèque, c'est-à-dire c'est que on suppose de la spéciation sympatrique quand on a des spéciations récentes avec beaucoup d'espèces dans le même environnement, dans le même habitat. Et alors par défi, par forcément, c'est des spéciations très récentes, très jeunes. Et du coup, on n'a toujours aucune preuve que des spéciations sympatriques, elles puissent être stables aux échelles évolutives qui permettent de fixer la spéciation dans le temps. Concrètement, on ne sait pas si les spéciations sympatriques qu'on observe dans des lacs qui sont formés il y a quelques dizaines de milliers d'années sont suffisamment fortes et stables pour que ces espèces franchissent les millions d'années qui vont faire qu'elles ne pourront plus jamais se remélanger. Oui, parce Donc, le débat. qu'il peut arriver qu'il y ait une divergence, mais que cette divergence, en fait, à un moment donné, Exactement. ouais, Et alors, c'est ce qu'on d'accord. observe dans les grands lacs africains qui sont. Alors, j'en reviens aux exemples médiatiques de spéciation sympatrique, où on a proposé la spéciation sympatrique comme mode de spéciation. Les exemples les plus célèbres, c'est les cyclidés des grands lacs africains, C'est une lac Victoria, lac famille de poissons, Tanganyika. C'est une c'est famille fait, de poissons. ouais, Alors, des d'accord. poissons assez populaires parmi les aquariophiles, parce qu'ils sont souvent assez faciles à élever. Et alors, on a une énorme diversité chez ces groupes-là dans les grands lacs africains. Les espèces sont extrêmement jeunes. Alors ça, c'est ce que la génétique nous dit, parce que la génétique moléculaire nous permet de dater avec une assez grande précision des événements de spéciation. On sait que c'est des divergences extrêmement jeunes. Ces espèces ont souvent la capacité de s'hybrider, souvent elles ne le font pas dans la nature. Mais alors, par exemple, quand la turbidité de l'eau change, c'est ce qui a été observé dans. Alors, je crois que c'est le lac Victoria, mais là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais on constate que ces isolements reproducteurs qui étaient basés sur des choix de partenaires basés sur la coloration des individus. Dès que la turbidité de l'eau change, les différences de couleurs sont moins bien perçues et la spéciation s'inverse, revient en arrière et les espèces qui étaient séparées par des différences de coloration commencent à se remélanger. Et on D'accord. voit bien aussi que toutes ces spéciations sympatriques qui sont maintenues par des divergences écologiques, par la diversité des habitats au sein d'un même milieu. C'est des cyclidés africains, c'est souvent de la différence de niche trophique qui vont se spécialiser sur des proies différentes, sur des profondeurs différentes, sur des micro-habitats différents, sur sol caillouteux ou sur fond au moins avec de la végétation, etc., ou des profondeurs différentes, etc. Si l'environnement change, toutes ces espèces qui sont maintenues séparées par des pressions écologiques, eh bien, elles sont susceptibles de se remélanger. Donc la D'accord. spéciation sympatrique, on n'est pas très sûr de sa fréquence dans la nature, et on est encore moins sûr de son importance dans la genèse de la biodiversité à long terme. C'est-à-dire, l'accumulation de la biodiversité, c'est quand même ces accumulations d'espèces qui vont traverser les millions d'années et qui ne se remélangeront plus quoi qu'il arrive, et on n'est pas très sûr que la spéciation sympatrique participe de manière importante à la génération de la biodiversité. Enfin, on est même sûr qu'elle n'y participe pas de manière importante, et on n'est pas très sûr qu'elle y participe du tout. Et donc, ça pose la question de son existence réelle dans le cas de véritable Ouais. spéciation, de création d'espèces qui sont véritablement différentes Et stable et à long et terme, stables. oui. Ouais. Alors ça, c'est presque une question. C'est comme ce qui se passait dans l'univers avant le Big Bang. On ne le saura probablement jamais parce que les espèces qui sont là depuis des millions d'années, on ne saura probablement jamais si elles ont évolué en sympatrie ou en allopatrie. Les seuls cas de spéciation sympatrie qu'on peut démontrer, c'est ceux qui impliquent des spéciations très récentes et pour lesquelles on aura donc toujours le doute de savoir si elles sont stables aux échelles évolutives ou pas, aux échelles géologiques ou pas. Ou alors, il faudrait Donc faire des voilà. projets de recherche sur des millions d'années et C'est voir ça. dans. C'est Voilà. ça. Mais ce qui risque d'être un peu compliqué quand même. Ça peut être compliqué, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quelques exemples chez les vertébrés, chez les poissons notamment. Alors, les cyclidés des grands lacs africains, ça a été beaucoup discuté de savoir si c'était vraiment la spéciation sympatrique ou pas, parce que les grands lacs africains ont une histoire assez complexe de variation de niveau et de profondeur au cours des cycles glaciaires-interglaciaires. Et du coup, il y a eu probablement fragmentation de ces grands lacs au cours de leur histoire récente en plusieurs petits lacs dans lesquels il y a pu y avoir des divergences par vicariance. Mais on a par contre des exemples de lacs de cratères, notamment en Amérique centrale, où on a des espèces proches, mais on peut avoir jusqu'à 5, 6, 7 espèces dans ces lacs de cratères, et qui, eux, alors là, c'est vraiment des cônes verticaux,
où on sait que les variations de profondeur vont juste faire bouger le niveau du lac, mais il n'y aura jamais eu de il n'y a pas eu de fragmentation de ces lacs-là, il n'y a pas eu d'isolement. D'accord. Il semble vraiment qu'il n'y ait pas eu de colonisation multiple, parce qu'une autre, bien sûr, difficulté, c'est de montrer que toutes ces espèces-là, durant cette commun, étaient dans le lac et qu'elles Eh sont oui. jamais sorties et re-rentrées. Eh oui. Il n'y a jamais d'échange avec les réseaux de rivières autour, etc. On a quelques exemples convaincants où il semblerait vraiment que la différenciation soit faite en place. Donc, je pense qu'il y a un consensus pour dire que la spéciation sympatrique, elle est théoriquement possible, elle est empiriquement, on va dire, l'option la plus parcimonieuse dans certains cas, mais elle est clairement très rare. Ok. Et alors sur justement la donc la cette partons par exemple sur la spéciation allopatrique, sur la spéciation allopatrique, ces populations, comment justement concrètement se passe cette divergence au fur et à mesure des milliers, millions d'années d'évolution? Quelles sont un peu les forces qui justement permettent cette apparition d'une nouvelle espèce? Alors là, c'est l'autre, on va dire que c'est l'autre grande dichotomie des concepts de spéciation. Donc il y avait cette dichotomie allopatrique-sympatrique, et l'autre grande dichotomie, c'est spéciation écologique versus spéciation neutre. Donc la spéciation écologique postule que les différences qui s'accumulent entre ces populations et qui fait qu'elles ne s'hybrident plus de manière efficace quand elles se rencontrent sont dues à l'adaptation pour des environnements différents. Donc ça, c'est le rôle de l'écologie dans la spéciation. On s'adapte à des environnements différents et en s'adaptant, on accumule des différences qui peuvent être de phénotype, qui peuvent être d'écologie, de comportement. Ça peut être la nourriture, ça peut être les champs aussi. Enfin, mais c'est de la sélection, des processus de sélection. Alors si c'est les champs, c'est pas vraiment la spéciation écologique, c'est plutôt par sélection sexuelle. Mais enfin, on va dire que ça reste quand même des processus sélectifs qui vont faire que ces populations divergent et ne peuvent plus se mélanger. Et puis ensuite, il y a toutes les modes de spéciation neutres qui sont basés uniquement sur l'accumulation des divergences avec le temps, basés sur la mutation et la dérive, donc les processus neutres, donc sans faire intervenir la sélection, mais qui font qu'au cours du temps, les populations de toute façon évoluent. Donc la mutation, c'est le processus aléatoire qui génère la variation à l'échelle des génomes. Donc, c'est-à-dire des versions de gènes différentes, des allèles. Exactement. Ouais. Le fait qu'à chaque reproduction, on introduit un petit peu d'erreur dans le code génétique et que d'une génération à l'autre, on a toujours donc création de variants alléliques nouveaux par le processus de mutation. Donc ça génère cette variation. Et la dérive, c'est le processus qui fait que parce que la reproduction, la mort, c'est des événements aléatoires, que donc tous les organismes, même s'ils ont exactement les mêmes performances, les mêmes compétences, les individus, certains vont faire 10 descendants et d'autres 0, et parce que les populations n'ont pas des tailles infinies, eh bien avec le temps, on perd sans arrêt une partie de la diversité que la mutation a créée, et on accumule donc des divergences. Ok. Et ça, c'est ce qui fait que des populations isolées, même sans la moindre action de la sélection, accumulent des différences parce qu'il y a des mutations différentes qui vont apparaître dans la population 1 et dans la population 2, et qu'avec le temps, certaines mutations se fixent dans une population et d'autres mutations vont se fixer dans l'autre population. Et sans rien faire d'autre, uniquement avec le jeu du hasard, en fait, de la mutation et de la dérive, on accumule des différences, des divergences. Même dans un même milieu, par exemple Même cette dans un même séparation de milieu, population, il va exactement. avoir en fait ces processus aléatoires, hein, qui vont se dérouler. Exactement. Même s'il n'y avait aucune différence de milieu, aucune action de la sélection, toutes choses étant égales par ailleurs, même dans des fioles de laboratoire, et Ouais. d'ailleurs, si on vérifie sans arrêt au labo, ça marche très très bien, ces expériences, ce qu'on appelle l'évolution expérimentale. Dès qu'on fait diverger des populations, même sans rien changer à leur environnement, eh bien, elles accumulent des différences par le simple jeu de la mutation qui génère de la diversité. Et vu que la mutation est aléatoire, les mutations qui apparaissent dans une population et les mutations qui apparaissent dans l'autre population sont presque toujours différentes. Et par le jeu de la dérive, qui va faire qu'on va fixer ensuite un ensemble de mutations dans la population A et un autre ensemble de mutations dans la population B. Et quand on accumule suffisamment de divergences, eh bien les gènes ne fonctionnent plus ensemble. C'est ce qu'on appelle les incompatibilités génétiques, ce qui fait que quand on essaie de faire fonctionner ensemble
les locus d'une population, les allèles d'une population avec les allèles d'une autre population, ben ça marche plus du tout. Et ça génère l'isolement producteur. Et c'est ce qui fait que de manière complètement, je dirais, prévisible, au bout d'un certain temps d'isolement, on sait qu'on ne pourra plus se mélanger. Et pour en revenir à la discussion qu'on avait juste avant sur les concepts d'espèces et les outils qu'on utilise pour définir les espèces, ça nous permet de dire que lorsque des populations sont allopatriques et que donc on ne peut pas utiliser le concept biologique de l'espèce, on peut faire cette analogie qui fait qu'on sait que toutes les espèces qu'on connaît, on va dire différentes, toutes les populations qu'on connaît qui ont divergé il y a 4-5 millions d'années, elles s'hybrident plus, sont des espèces différentes. Donc, par analogie, ces deux populations pour lesquelles je ne vois pas tellement de différence, mais qui se sont séparées il y a 5 millions d'années et qui ont accumulé plein de divergences génétiques pendant ces 5 millions d'années, eh ben, je vais faire le pari que c'est des espèces différentes. Et je suis presque sûr que je ne me tromperai pas parce qu'on sait que dans tel groupe, au bout de 5 millions d'années, eh ben, on a presque toujours eu de la spéciation. Et c'est ce qui permet d'appliquer le concept biologique de l'espèce par inférence, on va dire, à des populations allopatriques qui parfois n'ont que très peu de différences morphologiques ou acoustiques, mais pour lesquelles on sait que les divergences génétiques qu'elles ont accumulées font qu'on est presque certain qu'elles s'hybrideront plus si elles se croisaient. Alors après, on peut toujours les mettre aussi au laboratoire pour tester ça, mais. Alors justement, voilà, moi ça m'interrogeait un peu, c'est la biologie évolutive dans le laboratoire expérimental. Et ça rejoint une question de Gérard Duvalet sur le chat. Donc il y a Gérard qui nous dit, quel a été l'apport d'espèces qui s'élèvent facilement au laboratoire, comme les drosophiles, dans la compréhension des phénomènes de spéciation? Est-ce que justement les drosophiles ont véritablement apporté dans ces compréhensions de phénomènes de spéciation? Ou est-ce qu'il y a d'autres espèces? Alors je pense que peut-être, je ne sais pas, les bactéries qui ont des générations très très rapides n'ont pas justement ce temps de spéciation aussi long que des vertébrés qui doivent être effectivement très durs de faire des expérimentations dessus. Alors, bah, la drosophile, ça a été un des premiers modèles qui a permis de poser les bases de ce qu'on appelle la génomique de la spéciation, la génétique et la génomique de la spéciation, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quels sont les gènes impliqués dans la spéciation. Alors là, c'est des questions extrêmement vastes. Par exemple, on ne sait toujours pas très bien si la spéciation est due à quelques gènes à effet majeur, c'est-à-dire c'est des mutations sur quelques gènes extrêmement importants dans le développement ou dans la physiologie de la reproduction qui font que en changeant ces quelques gènes, si des allèles différents se fixent pour ces quelques gènes dans des populations différentes, on a spéciation, ou si c'est plutôt plein de petits changements dans plein de petites régions du génome qui font que quand elles s'accumulent. Et alors, les drosophiles, ça a été parmi les premiers organismes où on a pu commencer à identifier les bases génétiques de la spéciation. Mais pour autant, les résultats qui ont été obtenus à ces moments-là, sont pas forcément généralisables. Disons que les premières expériences, puisqu'on n'avait pas les outils génomiques, elles se basaient sur des croisements et sur des opérations de saut génétique à effet majeur. Et on a identifié effectivement chez les drosophiles des gènes à effet majeur. Mais on a, par exemple, la littérature un peu ancienne sur les drosophiles, on avait l'impression que globalement, avec quelques gènes qui bougeaient, on arrivait à avoir de la spéciation. Ce qui semble se dessiner maintenant avec les outils de la génomique, c'est que quand même très souvent, la spéciation, elle progresse par l'accumulation de beaucoup de différences à plein d'endroits du génome. Mais alors souvent, le génome ne... la spéciation dans le génome progresse de manière un petit peu par saut, c'est-à-dire qu'on commence par accumuler des différences sur un petit nombre de gènes qui vont bloquer les flux géniques dans certaines régions du génome. Et là, petit à petit, une fois que ça commence à bloquer dans quelques régions, et avec le temps qui augmente, on a de plus en plus de régions du génome qui accumulent des incompatibilités et on arrive à bloquer l'ensemble du génome. Mais ce qui semble pour l'instant se passer quand même, c'est que les flux géniques s'arrêtent. En tout cas, chez les exemples que je connais le mieux pour la biologie de la spéciation, la génomique de la spéciation qui sont amphibiens et reptiles, on a d'abord un rétrécissement, on va dire, des zones de contact. Alors,
quand deux organismes se rencontrent après avoir divergé, s'il n'y a plus d'isomère producteur, eh ben, quand ils se remélangent, on a hybridation, diffusion de proche en proche, et on a des zones de contact assez larges. Ce qu'on appelle une zone de contact, c'est une zone où les populations sont intermédiaires. D'accord. Et alors, quand la spéciation progresse, on a d'abord un rétrécissement des zones de contact, c'est-à-dire que clairement, on a accumulé des incompatibilités un peu partout dans le génome qui fait qu'on n'arrive plus à avoir une diffusion libre du génome d'une espèce dans le génome de l'autre espèce, et on réduit les zones de contact. Et dans un second temps, on voit apparaître des locus barrières qui, eux, n'introgressent plus du tout. Et dès que, à partir du moment où ces locus barrières apparaissent, le génome de plus en plus accumule de divergences et on finit par bloquer l'ensemble du génome. Donc c'est assez progressif. D'abord, suffisamment de différences dans plein d'endroits du génome pour que ça marche plus très bien ensemble et qu'on diffuse plus librement. Et puis, ça devient de plus en plus étroit, puis on commence à mettre des barrières. Et puis, quand on met des barrières, hop, ça s'étend dans l'ensemble du génome. Ce n'est pas tout à fait vrai partout. Alors, chez les oiseaux, par exemple, on a beaucoup d'espèces d'oiseaux qu'on classe comme espèces parce qu'on les voit différentes et elles sont capables de coexister sans se mélanger beaucoup, où on se rend compte qu'en fait, il y a très peu d'incompatibilités génétiques. Et chez les oiseaux, la spéciation repose beaucoup plus sur l'évolution d'isolement pré-zygotique que d'incompatibilités génétiques qui donnent des isolements post-zygotiques. Ce qu'on appelle post-zygotique, c'est tout ce qui passe après la fécondation. Ah voilà, c'est après prézygotique, c'est avant le zygote, Avant, c'est-à-dire la cellule œuf, c'est ça? voilà, avant fécondation. En fait, il y a deux moyens de maintenir des isolements producteurs. Il y a deux moyens de ne pas se mélanger. Soit ne pas s'accoupler avec l'autre espèce, C'est ça. Et donc soit là, si on se rend compte, c'est de la c'est reconnaissance de comportement, de parade nuptiale par exactement, exemple. exactement. L'autre est tellement différent que ça ne me vient même pas l'idée de m'accoupler avec lui, quoi. Il y a tout ce qui est post-zygotique où on essaye de s'accoupler, on ne voit même pas les différences, à la limite, on ne se rend même pas compte que c'est l'autre espèce, mais il ne se passe rien parce que les génomes sont tellement différents qu'ils ne fonctionnent plus ensemble et qu'il n'y a plus de descendants produits. Donc ça, c'est les deux grands types d'isolement. Alors, chez beaucoup d'amphibiens et reptiles, on voit bien que la spéciation, elle repose avant tout sur l'évolution des éléments post-zygotiques. C'est probablement le cas aussi chez beaucoup de mammifères, etc. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, ils essaient bien de s'hybrider. S'ils sont encore suffisamment compatibles, ça marche. Et puis s'ils sont tellement divergents que les génomes sont incompatibles, ça ne marche plus. Et après, dans un deuxième temps, on va pouvoir évoluer des différences acoustiques, écologiques qui vont leur permettre de coexister. Mais avant évolution de la coexistence, il y a spéciation par accumulation d'incompatibilités. Chez les oiseaux, c'est assez différent. On a plein d'espèces d'oiseaux qui restent compatibles. Et quand elles s'hybrident, ça marche bien. Il y a des hybrides produits fertiles. C'est le cas des grands goélands dont on parlait, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'espèces d'oiseaux qui parfois ont des différences de couleurs extrêmement spectaculaires. Il y a notamment des espèces de paruline en Amérique du Nord dont les mâles ont des différences de coloration très très marquées, mais dont on sait qu'elles sont capables de s'hybrider, même si elles le font rarement. Et alors quand on commence à disséquer les différences au niveau du génome, on se rend compte qu'une grande partie du génome est très peu différenciée et probablement que ces hybridations occasionnelles, elles suffisent d'ailleurs à maintenir ces génomes assez homogènes. Et puis, il y a quelques régions du génome qui codent pour des traits à effet majeur et qui sont fixés pour des allèles alternatifs dans les deux espèces. Donc, chez les oiseaux, on a des spéciations qui sont, je dirais, plus rapides dans les temps évolutifs, qui reposent plus souvent sur des isolements pré-zygotiques. De choix de partenaires et qui entraîne souvent des différenciations génomiques beaucoup moins importantes, avec beaucoup moins d'importance pour compatibilité génomique. Et alors, et pour les drosophiles, du coup, là, ça a été effectivement important pour commencer à comprendre les bases génétiques de l'évolution. Et puis, il y a eu beaucoup d'expériences de croisement. Parmi les premières littératures qui montraient que en fonction de l'augmentation du temps de divergence entre les populations, l'isolement producteur s'accumulait aussi. Ça, il y a eu beaucoup d'expériences classiques sur les drosophiles, sur des complexes d'espèces de drosophiles, où on a mesuré les temps de divergence avec des allosymes, c'était parmi les premiers outils génétiques, et où on a pu relier avec des croisements en laboratoire le temps de divergence avec l'isolement producteur. Sachant qu'en laboratoire, quand on regarde l'isolement producteur, on va regarder que l'isolement post-zygotique. Parce que si on force de populations à se croiser, or, dans la nature, il y a beaucoup d'espèces
comme je l'ai dit, qui sont maintenus par autre chose. C'est Alors là, difficile en laboratoire, de toute façon, l'isolement prézygotique, vu qu'on les met, ouais. on les met ensemble, forcément, elles sont un peu forcées de Voilà. s'accoupler, de Alors, s'hybrider. on peut imaginer des dispositifs expérimentaux, on laisse le choix, on peut avoir des grandes cages à population ou des grands enclos où on laisse des mâles et des femelles des deux espèces et on voit si elles se choisissent ou pas. Mais souvent, ça donne des résultats qui sont quand même difficilement transposables. C'est-à-dire qu'on voit assez souvent des espèces, notamment les lézards, par exemple, sur lesquels je travaille en péninsule ibérique, bah, quand on les met tous ensemble dans le terrarium, on a vraiment l'impression que les mâles sautent sur tout ce qui bouge et les femelles se font féconder par tous les mâles qui passent. D'accord. Mais quand on va dans la nature et qu'on échantillonne, on voit très peu d'hybrides. Donc on se rend bien OK. compte que ce qu'on mesure, dans ces expériences de comportement au laboratoire et ce qui se passe dans la nature, c'est probablement souvent assez différent. OK. Alors pour revenir aux bactéries, la difficulté des bactéries, que je connais très mal, je connais très mal le monde bactérien, c'est que justement, ce n'est pas des espèces à reproduction sexuée comme ça. Et du Ça coup, revient au problème et, la, de et reproduction sexuée. le concept d'espèce chez les bactéries, il est complètement différent du concept d'espèce chez les organismes à reproduction sexuée, pluricellulaires, qu'on connaît d'habitude et que moi je connais bien. Je connais assez mal le monde bactérien, mais ce que je sais par contre, c'est que les concepts d'espèce et qu'on utilise sont complètement différents. On utilise plus pour le coup des propriétés, on va dire, écologiques ou phénotypiques des bactéries, leur morphologie, leur toxine, etc. Et alors, ce qui est aussi propre au monde bactérien, c'est qu'il peut y avoir des échanges d'ADN entre bactéries très éloignées. Ouais, c'est Et il y a ça. ce qu'on appelle des transferts horizontaux. Donc, c'est difficile d'utiliser le concept d'élément reproducteur aussi chez les bactéries. Alors moi, je connais très mal les bactéries, donc je n'en parlerai pas beaucoup plus. Mais ce qui est clair, c'est que c'est et des concepts d'espèces, et des fonctionnements de population, et des modes, on va dire, d'héritabilité et d'isolement qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît chez les métazoaires. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat, je vais les prendre. Donc, alors, il y avait la question de Michel qui date un petit peu, mais je vais la prendre parce qu'elle rebondit avec la question de William. Donc, il y a Michel qui nous parlait de la couleuvre hispanique, qui, je crois, est passée au rang d'espèce, elle nous dit. Pour compléter, il existe une couleuvre hispanique corse. Donc, bon, Non, pas tout à non. fait. La couleuvre corse est helvétique, elle n'est pas ibérique. Ah, ok, d'accord, ok. Et donc, William, il nous pose une question qui est intéressante. Il nous dit, sur quoi repose la définition de sous-espèce au sein d'une même espèce? Sur quels critères passe-t-on de sous-espèce à deux espèces différentes? Voilà, est-ce que, pareil, c'est une gradation? On passe d'abord à sous-espèce, puis ensuite à espèce, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, les sous-espèces, il y a plusieurs définitions. On va dire que la définition couramment admise, c'est des populations géographiquement isolées qui ont des caractères phénotypiques différents, mais qui ne présentent pas d'isolement producteur et qui continuent donc à s'hybrider quand elles se rencontrent. Donc, en gros, c'est des ensembles de populations qui partagent une aire de distribution, des caractères propres, souvent une histoire évolutive propre, mais alors ça, l'histoire évolutive propre est pas inhérente, on va dire, à la définition concept de sous-espèce. Ça, on va pas, ça sera un peu compliqué d'en parler là, mais en tout cas, une distribution propre, des caractères propres, mais pas de divergence suffisante pour les isoler des autres sous-espèces lorsqu'elles se rencontrent. Ça va être donc des populations différentes, mais qui, quand elles se rencontrent, ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir des zones de contact larges où rien ne s'oppose au flux génique. Ou rien d'autre, en tout cas, que, par exemple, la sélection sur quelques caractères, etc. Donc, oui, généralement, des sous-espèces ont des temps de divergence moins Ouais. profonds que les espèces. Après, c'est une définition qui n'a pas forcément été mis en application dans la taxonomie de beaucoup de groupes de manière très très carrée quoi. Et du coup, il y a beaucoup de groupes, on a décrit plein de sous-espèces qui correspondent pas forcément à des populations bien différenciées. Une des règles classiques de sous-espèces, c'est que 75% des individus d'une sous-espèce
peuvent être distingués de 75% des individus d'une autre sous-espèce. Moi, c'est une définition que je trouve un petit peu trop lâche. Ouais. Et j'ai tendance à reconnaître comme sous-espèce des taxons, donc des lignées, où on va dire la grande majorité des individus, on va dire 90-95% des individus, peuvent être attribués, assignés à leur sous-espèce. C'est-à-dire que quand on prend un individu, en examinant ses caractères, on peut dire qu'il appartient à telle sous-espèce ou telle sous-espèce dans la grande majorité pour la grande majorité des individus, au moins pour une classe d'âge ou un sexe. Alors, pourquoi? Il y a Init Khan qui nous dit une petite précision, une remarque. Il dit, je dirais plutôt concordance géographique, plutôt qu'isolée pour parler des sous-espèces. Elles peuvent être distinctes, pardon, mais pas isolées. Quand ouais, je n'ai pas parlé d'isolement, elles ont des distributions Ouais, distinctes. Des ouais. distributions distinctes, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se rencontrent pas. Ça Oui, veut dire voilà. qu'il n'y a pas de distribution en mosaïque. On ne parle pas de sous-espèces, quand les distributions sont en mosaïque. Elles sont géographiquement cohérentes. Elles occupent chacune des distributions différentes. Mais en général, très souvent, elles se rencontrent avec de larges zones d'intergradation, bien sûr. Ok, très bien. Mais pas toujours, mais souvent. Et alors, pourquoi c'est parfois difficile de trancher entre espèces et sous-espèces? Un, pour un problème opérationnel, deux, pour un problème intrinsèque. Le problème intrinsèque, c'est que la spéciation est un processus graduel. Même si conceptuellement, la sous-espèce et l'espèce sont des choses bien différentes, de manière réelle dans la nature, on a toutes les situations intermédiaires. Nous, on veut tirer un trait entre espèce et sous-espèce parce que ça correspond à deux catégories différentes, mais la spéciation est un processus continu. On a toutes les situations intermédiaires possibles dans la nature. Et on a tous les intermédiaires entre des populations absolument pas différenciées, des sous-espèces assez peu différenciées, des sous-espèces très différenciées, des espèces. C'est un processus graduel, la spéciation, Ouais. qui s'écoule sur des millions d'années. Mais bien sûr, nous, on essaye de tracer une limite, de tirer un trait dans un continuum, un processus continu. Donc ça, c'est une difficulté intrinsèque. On crée une dichotomie dans un processus continu. Et donc forcément, ça crée des difficultés dès qu'on est dans ce qu'on appelle la zone grise de la spéciation, c'est les frontières entre les sous-espèces et l'espèce. Ça, c'est une difficulté intrinsèque, on va dire. C'est faire une dichotomie dans un processus continu. Ensuite, on a des difficultés opérationnelles. Oui, sur le terrain, j'imagine. Sur le terrain, Ouais. les tests d'isolement producteur. Alors, c'est assez facile d'avoir un test d'isolement producteur lorsque les différentes sous-espèces ou espèces sont très différentes morphologiquement. Ouais. Parce que Juste, Pierre-André, il y a Init Khan qui justement parle de ça. Il nous dit, est-ce que, par exemple, sur le terrain, il y a des critères pour délimiter les sous-espèces? Est-ce que c'est uniquement morphologique? Donc, vous avez répondu un peu. Il y a aussi les tests d'isolement reproducteur potentiellement. C'est pas que morphologique, en fait. Alors, les sous-espèces en Sur les général, sous-espèces. elles sont définies essentiellement sur la base de la morphologie, mais on peut avoir des sous-espèces. On pourrait. Alors, c'est très très rare qu'on établisse des sous-espèces sur la base d'autre chose que de la morphologie, mais on pourrait imaginer des sous-espèces sur la base de l'acoustique avec des champs un peu différents. Après, quand c'est des différences d'écologie, etc., on parle plutôt d'adaptation locale et on ne parle pas tellement de sous-espèces. On va dire que la sous-espèce, elle est quand même définie par des critères externes visibles ou audibles. Mais on pourrait tout à fait imaginer aussi que des lignées évolutives différentes qui s'hybrident, mais même si elles se ressemblent complètement, on pourrait en faire des sous-espèces différentes. Mais de manière opérationnelle, on ne le fait jamais. Pratiquement personne ne donne des noms de sous-espèces différentes à des lignées évolutives qu'on identifie par leurs gènes, qui s'hybrident lorsqu'elles se rencontrent, mais pour lesquelles on ne voit pas de différence morphologique. Mais conceptuellement, ça aurait autant de sens que de reconnaître comme sous-espèce des populations, des lignées évolutives différentes qui s'hybrident mais qui ont des différences morphologiques. Là, c'est vraiment, on est plus dans quelque chose qui est du domaine de la tradition, de la taxonomie, plutôt qu'une pratique fondée sur un concept fort de la sous-espèce. Mais alors, pour en revenir au cas des couleuvres, donc les couleuvres à collier qui ont été maintenant séparées en trois espèces. La couleuvre à collier de Matrix-Natrix, la couleuvre helvétique, Natrix-Helvetica, et la couleuvre ibérique ou à Streptophore, Natrix-Streptophora. Pourquoi est-ce qu'on les considérait pendant longtemps comme des sous-espèces et qu'on les considère maintenant comme des espèces? C'est parce qu'on a réévalué leur niveau d'isolement reproducteur en zone de contact. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les différences morphologiques entre sous-espèces sont fortes, on peut utiliser la morphologie pour tester l'isolement reproducteur, ce n'est pas très compliqué. Parce que je ne sais pas si
Il y a une bestiole qui est rouge à point bleu et une bestiole qui est noire à point jaune. Quand elles se rencontrent, on voit très bien si les rouges à point bleu et les noirs à point jaune se mélangent ou pas. Oui. Et de regarder si on voit des noirs à point jaune et des rouges à point bleu au même endroit et puis pas d'individus intermédiaires, on sait qu'ils ne se mélangent pas. Ouais. Prouve que dans beaucoup de cas, les différentes lignes évolutives, elles n'ont pas des différences morphologiques aussi claires. Et c'est le cas notamment des sous-espèces, des anciennes sous-espèces de couleuvres à collier, qui sont maintenant helvétiques à collier et ibériques, Parce que là-bas, c'était des ressemblent sous-espèces. beaucoup. C'était des Ça a été pendant sous-espèces. très longtemps des sous-espèces, Hein. Ouais. exactement. C'était pendant très longtemps des sous-espèces. Et on a utilisé des outils génétiques, notamment les microsatellites, enfin, et puis de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire, mais en gros, des outils génétiques qui nous permettent directement de tester l'isolement producteur en zone de contact. Et alors, on se rend compte qu'elles s'hybrident, mais que les zones hybrides sont très étroites et qu'on passe brusquement de populations quasi pures de couleuvres à collier à des populations quasi pures de couleuvres helvétiques. Alors, leur zone de contact est dans le nord de la Suisse et le sud de l'Allemagne et l'ouest de l'Allemagne. Et donc, à quelques kilomètres, on passe de population quasi pure d'une espèce à population quasi pure de l'autre espèce. Et même si entre les deux, on a des hybrides et des populations hybrides, on en déduit qu'il y a des incompatibilités génétiques qui font que la zone hybride reste aussi étroite, parce que compte tenu de la taille des couleuvres à collier, de leur capacité de dispersion, etc., s'il n'y avait aucune incompatibilité génétique, on aurait eu beaucoup plus de mélanges et des zones de contact beaucoup plus larges. Donc on infère les incompatibilités génétiques sur les patrons de transition génétique en zone de contact. Et c'est ça qui a amené à des révisions systématiques où on a considéré que la couleuvre ibérique, l'ancienne sous-espèce Streptophora, la couleuvre helvétique, l'ancienne sous-espèce Helvetica, elles sont trop différentes pour être considérées comme des sous-espèces. Il y a des mécanismes d'isolement producteur intrinsèques. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a validée sur la base des résultats génétiques et on les a par conséquent élevées au rang d'espèces. Mais sur la base des résultats génétiques, d'études de zones de contact, d'études de zones hybrides qui suggèrent que les incompatibilités génétiques sont suffisamment fortes pour qu'en fait, elles ne se mélangent pas vraiment. Le mélange se limite à une zone de contact étroite et le génome de la couleuvre helvétique et le génome de la couleuvre à collier, ils se mélangeront plus. Voilà, parce que les gènes passent plus globalement plus tellement au-delà de la zone de contact. Donc c'est une utilisation d'outils génétiques qui a permis de réévaluer le réservoir producteur, mais ce n'est pas un changement du concept d'espèce. C'est des outils, c'est l'outil génétique qui a permis d'évaluer directement l'isolement producteur en zone de contact. Très bien. On est quasiment à la fin de notre petite émission, mais je voulais quand même poser une avant-dernière question. Enfin, si vous avez une dernière question, le chat, n'hésitez pas à la poser. Je la poserai quand même à Pierre-André. Mais une dernière question. On a parlé beaucoup donc de la spéciation, bien sûr. C'était un peu la grande thématique de la soirée, l'apparition de nouvelles espèces, mais aussi à la disparition d'espèces. Donc à l'heure actuelle, on en entend beaucoup parler, avec la sixième extinction de masse qu'on est en train de vivre sur la biodiversité. Il y a toujours eu des phénomènes d'extinction dans l'histoire du vivant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est justement avec ces phénomènes de spéciation, création de nouvelles espèces, est-ce que cette forte perte de biodiversité qu'on est en train de vivre est d'une certaine manière normal, ou est-ce qu'il faut véritablement s'inquiéter? Est-ce qu'on risque de bouleverser peut-être justement ces mécanismes de spéciation allopatrique, que la spéciation allopatrique ne puisse pas se faire dans la suite? Je ne sais pas, hein, Pierre-André, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est une question éthique plus que scientifique, en fait, et du coup, elle est délicate. Mais ce qu'il y a, c'est que les échelles de temps auxquelles on peut agir, les échelles de temps auxquelles on peut penser et les échelles de temps auxquelles se fait la spéciation sont tellement décalées que la question de savoir ce qui se passera dans 2 ou 3 millions d'années, elle n'est pas tellement pertinente, à mon avis, pour juger de notre responsabilité en tant qu'individu et espèce humaine sur ce qu'on va laisser comme biodiversité à notre génération future, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun souci que la spéciation continuera de se produire. On peut même se dire que avec la fragmentation des aires de distribution consécutive à l'action humaine, on va avoir plein de nouvelles espèces qui vont émerger, etc. Mais c'est des échelles de temps qui ne nous concernent pas.
Enfin, il y a dans 2-3 On... millions d'années, il y a peu de chances qu'on soit là. Oui, c'est vrai. On ne sait pas qui sera là. Ouais. Les échelles de temps de la crise actuelle d'extinction, c'est demain. C'est aujourd'hui et c'est demain, en gros. Donc, en fait, on a une responsabilité qui est immense parce qu'on décide, nous, maintenant, de ce qu'on va laisser dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et c'est ça, pour moi, qui fait le caractère absolument majeur, enfin, comment dire, essentiel de nos préoccupations sur la crise d'extinction actuelle. Ce qui est, il est indéniable qu'il y a un rythme d'extinction qui est extrêmement rapide à l'heure actuelle, et il est indéniable que c'est l'homme qui en est la cause. Donc, à partir du moment où ces deux faits sont établis, je trouve que les autres considérations sur savoir si le rythme est beaucoup plus important ou élevé que les autres extinctions géologiques, et puis si ça met en péril la biodiversité à long terme, c'est des questions qui pour moi ne sont pas forcément pertinentes. Je ne pense pas que ça mette en péril la biodiversité à long terme. La seule chose qui mettra en péril la biodiversité à long terme, c'est si on se développe, si on plonge dans un monde futuriste tel qu'on en voit parfois dans les films de science-fiction, où la À Terre la Blade Runner, voilà, la Terre n'est plus qu'une ancienne, une énorme mégacité où il n'y a plus de. Voilà, bon, ben là, effectivement, il n'y aura plus de biodiversité. Mais si on ne va pas vers ça, la crise actuelle, elle ne laissera pas beaucoup de traces, peut-être à l'échelle de 5 ou 10 millions d'années. Mais le problème, c'est que la crise actuelle, elle va affecter, elle nous affecte, nous, dans 10 ans, dans 20 ans, et nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est plus cette question-là. Et ce qu'il faut bien en plus voir, c'est que par rapport à tous les autres phénomènes écologiques, l'extinction est irréversible. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est le seul phénomène qui est absolument irréversible. On perd une espèce, on la perd d'une manière À jamais. irréversible, à À jamais. l'échelle humaine, là, nous, on n'a aucun moyen d'imaginer ou de prévoir qu'on puisse recréer des espèces disparues. On peut restaurer des habitats. On peut recréer. On voit des tas de populations qui étaient très rares, qui ont failli s'éteindre, et que si on protège, qui remontent. Et une espèce qui est maintenant très rare, elle peut être très abondante dans 50 ans ou 100 ans. Par contre, une espèce qui s'est éteinte maintenant, c'est pour toujours. C'est irréversible. Et ça donne une autre responsabilité, je pense, gigantesque à la façon dont on perçoit la crise d'extinction de la biodiversité, parce que ça affecte maintenant et ça affecte de manière irréversible. Et ça, je pense que en termes d'éthique et de la façon dont on se positionne vis-à-vis de la crise de la biodiversité, je pense que c'est deux éléments majeurs à prendre en compte. J'ai un peu menti, j'ai une dernière question, Pierre-André, mais on va le faire rapidement. C'est justement sur les programmes de conservation. La biologie évolutive, elle a tout à apporter, en fait, justement, pour repenser un peu peut-être. La conservation telle qu'elle avait été faite, on va dire, dans les années 60, et que maintenant, repenser avec les outils génétiques, avec les outils phylogénétiques également, pour essayer qu'elle soit le plus pertinente possible et d'avoir des approches les plus évolutives possibles, qui conservent cette dynamique d'évolution. Alors là, il nous faudrait une heure pour en parler. Ouais, mais c'est peut-être un teasing pour une prochaine émission, hein, Ouais, parce qui que là, sait? c'est vrai, c'est une question beaucoup, beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que, alors, certes, on utilise normalement les outils génétiques pour planifier la conservation. Certes, on peut réfléchir, quand on essaie de faire des priorités de conservation, à maintenir la diversité phylogénétique, à maintenir les processus évolutifs. Mais concrètement, très souvent, la conservation se heurte à des problèmes très, très terre à terre, basiques, de conflits avec les activités humaines, de difficultés à mobiliser des ressources ou à faire adhérer des populations, qui fait qu'en général, finalement, les apports de la biologie évolutive, c'est une petite goutte d'eau dans les problèmes de la conservation. Je le dis en étant biologiste d'évolution, en étant convaincu de l'intérêt de la biologie évolutive, mais c'est souvent, là encore, il y a souvent un décalage entre les nécessités ou les obstacles de la préservation de la biodiversité, ici et maintenant, les mains dans le cambouis, avec ce que la biologie évolutive peut apporter, même si elle permet effectivement souvent de renseigner, d'identifier des priorités de conservation, identifier des nouvelles espèces aussi. Mieux permettre d'inventorier la biodiversité à préserver, etc. Donc, il y a plein d'utilisations de la biologie évolutive qui permettent de renseigner les stratégies de conservation, mais malheureusement, on se heurte souvent à des difficultés qui rendent un petit peu futiles les apports de la biologie évolutive, malheureusement.
Très bien. Bon, mais merci beaucoup Pierre-André pour avoir répondu à toutes nos questions. Je vois que déjà dans le chat, on vous remercie abondamment, hein, Julien, Eric, Initkan, Michel. Bah, si vous voulez bien, alors nous d'habitude, on fait des événements en présentiel, hein, voilà, hein, donc je dis toujours à la fin d'un événement, bah, vous pouvez applaudir notre intervenant. Bah, là, vous pouvez l'applaudir, mais virtuellement, donc en Voilà, faisant un il y a petit rien. clap. Comme ça, Pierre-André, a posteriori, verra ce petit clap. Très bien. Bah, merci beaucoup, merci à vous, merci je vois Gérard et Eric, merci pour votre participation aussi dans le chat. Si jamais j'ai pas posé certaines questions ou remarques, hein, bah, c'est que effectivement on est dans un temps assez court, il y avait beaucoup de choses, on a dit déjà beaucoup de choses, donc je n'ai pas tout dit. Mais si jamais vous avez véritablement des questions, vous voulez apporter des réponses qui vous titillent, hein, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on transmettra peut-être à Pierre-André pour potentiellement qu'il Ouais. justement vous apporte une réponse Ou à me les si poser le possible. directement, j'ai l'impression que beaucoup, on se connaissait avec beaucoup d'auditeurs, donc Ah bah ils n'étaient peut-être, pas. peut-être, oui bah oui. J'ai reconnu quelques noms, oui. S'il y a Quelques quelques noms connus. collègues. Ouais. Ouais bah Gérard Duvallet par exemple, ça, Par tu sais, exemple. ouais, tout à Par fait. exemple, bien sûr. Qui Et est l'ayant. intervenu d'ailleurs dans une Ah très bah. bonne discussion sur notre chaîne Bah. autour de biodiversité et croissance économique. Voilà Ah le bah. lien. Voilà. Donc c'était très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Juste pour finir, très rapidement, la semaine prochaine, nous avons donc deux discussions. Une le mercredi soir autour de Ruanogien. Donc là, c'est de l'éthique. On en a parlé un peu d'éthique là à la fin de l'émission. Bon, bah voilà, bah, là, clairement, c'est de l'éthique. Ruanogien, on commentera le livre avec Florian Olivier, un philosophe de Ruanogien, l'influence des croissants chauds sur la bonté, de l'odeur des croissants chauds, pardon, sur la bonté humaine. Ça, c'est mercredi soir à 19h, et le jeudi soir, le lendemain, c'est sur la formation des étoiles, comment se forme une étoile, comment elle apparaît, là c'est pas une espèce mais c'est une étoile, comment elle apparaît, quels sont les processus chimiques, physiques qui entraînent l'apparition d'une étoile, et comment elle disparaît, la mort d'une étoile. Donc je pense qu'il y aura dans cette émission quelque chose d'assez poétique aussi, hein, du scientifique mais du poétique, avec Pierre Guéquière, qui est un chercheur qui est basé en Angleterre, et donc qui travaille justement sur ce sujet. Il est astrochimiste, ou comme il dit lui-même, chimiste des étoiles. Voilà. Si vous voulez être tenu au courant, bah, pour ces discussions, pour les prochaines, pour tout ce que l'on va faire dans les mois à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Si la discussion vous a plu ce soir, mettez-nous un petit pouce bleu parce que ça nous encourage, nous, à nous dire que bah, ça vous a plu et que bah, il faut qu'on continue à faire ce type d'événement. Et puis l'autre chose, c'est que il y aura quelques références dans le descriptif de la vidéo YouTube. Pas maintenant. Alors, pour ceux qui le regardent en replay, c'est présent normalement. Pour ceux qui sont en direct, ben, on les rajoutera dans le descriptif de la vidéo YouTube. J'en demanderai bien sûr à Pierre-André pour qu'il m'en donne quelques-unes. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci le De chat. rien, avec plaisir. Et Merci à tous. Merci Guillaume pour l'invitation. puis peut-être à très bientôt pour une prochaine émission, qui sait? Il y a des tas de sujets passionnants sur la biodiversité évolutive et l'écologie. Mais je pense qu'on en refera avec Pierre-André. Je sens qu'on va en refaire une parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas discutées ce soir et il nous faudra encore au moins 1 heure pour en discuter, ça Et c'est bien sûr. avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Merci Pierre-André, merci à tous et très belle soirée à vous. À bientôt.